Alors, effectivement, là, on a enlevé les skis. On est arrivé auprès de la station, non pas pour boire un vin chaud, mais c'est peut-être une bonne idée, parce qu'on a ici Hervé Darmaillet, le président de l'Association nationale des AQPS, qui a deux choses importantes à nous dire. D'abord, il va y avoir l'Assemblée générale, qui est toujours le dernier samedi ou le dernier dimanche d'Auteuil. Ce sera quand ? Le 8 décembre, puisque le programme d'Auteuil a été un petit peu repoussé. Et donc, très belle réunion avec des groupes, une très bonne course d'AQPS. Et nous sommes très heureux de se retrouver lors de l'Assemblée générale où, le matin, des intervenants sur le sanitaire, sur le studbook, prendront la parole, le programme des courses, plats et obstacles, par des spécialistes et des responsables de France Gallo. Et l'après-midi, tirage au sort des étalons que les étalonniers ont bien voulu offrir à l'association. Toujours très attendu, c'est une association, rappelons-le, qui est peut-être pas séculaire, mais pas loin. Ben si, elle est séculaire, là, l'association, rappelle. Elle a un siècle. Elle a un siècle, plus un an ou deux, avec des gens toujours motivés, des éleveurs passionnés. Et nous sommes, il ne faut pas oublier, association d'éleveurs et de propriétaires. Et oui, avec le livre « Les 100 ans de la QPS » qui est toujours à vendre. Toujours à vendre, pour 30 euros. Il sera à vente pendant l'Assemblée générale ou par correspondance. Un beau cadeau de Noël. On y pense, là, sous la neige, on y pense. Hervé, ça va être la dernière fois que tu vas la présider, cette Assemblée Générale au sein de l'association ? Eh bien, j'étais parti pour faire 6-7 ans, j'en suis à 15. Je pense que c'est bien et qu'il y a des jeunes qui sont notamment un qui est tout prêt à prendre le flambeau. Donc quand on a la chance d'avoir des jeunes qui s'impliquent et qui s'intéressent pour l'intérêt général, il ne faut pas laisser passer la chance. Donc dans la pratique, ça va se passer comment ? Alors ta dernière présidence, c'est là, et après, ça se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ma dernière présidence, ce sera l'Assemblée générale, donc 8 décembre, et la prochaine fois, on va se réunir en conseil d'administration. Ce sera février ou mars, début mars, et à ce moment-là, le nouveau bureau sera élu, président, vice-président, secrétaire général. Il y a déjà des candidats, donc un candidat, un jeune, alors c'est qui ? Il y a un jeune, Thibaut Jouen, qui serait partant. Il est déjà président du Centre-Est. Pour les AQPS, il est très motivé, très compétent, intelligent, enfin il a toutes les qualités. C'est cool parce que c'est pas toutes les associations d'éleveurs et de propriétaires qui ont des jeunes à venir derrière, franchement. Non, justement, quand il y en a qui sont motivés, faut pas hésiter à passer le manche. Merci beaucoup Hervé, bonne chance, on se rejoint donc quelle date le 8 décembre. À Auteuil, bien sûr. Merci Hervé. Merci. Merci. Bon, merci.